Lorsqu'il décolle de l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes, l'élève de l'ENSICA peut observer les bâtiments d'une école d'ingénieurs, dont l'histoire remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et se mêle depuis à celle de l'aéronautique toulousaine et française. La façade de l'ENSICA a des airs de temple antique. Mais on a beau chercher, on ne trouve ni centaure, ni minotaure, ni griffon. Seulement des chats, des chiens, des lapins. L'édifice livre avec cette ménagerie ordinaire l'origine de sa construction débutée en 1932. À l'écart de la ville rose, derrière la colline de Jolimont, c'est une école vétérinaire qui doit voir le jour. Il y a de la place, de quoi voir grand. Mais les vétérinaires boudent d'emplacement, trop excentré. Jamais un étudiant n'a révisé ses cours d'anatomie sous le regard des chevaux et des taureaux de la façade. Ce sont des oiseaux de métal qui seront étudiés ici. C'est lors de la Grande Guerre que l'industrie aéronautique s'était installée à Toulouse. Elle s'y était maintenue non sans difficulté jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. En 1939, le ministère de l'Air scelle la vocation de l'école de Jolimont en y transférant un établissement de recherche aéronautique parisien pour l'éloigner de la menace allemande. Rapidement, une soufflerie voit le jour. Le CEAT, le Centre d'essai aéronautique de Toulouse, prend racine. L'ENSICA le rejoindra 20 ans plus tard. L'histoire de l'école commence d'abord à Paris, lorsque l'ENTA, l'École Nationale des Travaux Aéronautiques, est fondée en 1946. Elle forme des ingénieurs militaires des travaux de l'air à raison d'une quinzaine par promotion. L'ENTA, c'était un bout de couloir au bout du couloir du deuxième étage de Super-Héros, 32 boulevard Victor à Paris. Bon, en fait, l'ENTA a été créé pour les besoins de l'État. Et pas pour les besoins de l'industrie, finalement, pas pour les besoins de l'industrie directement. Après la guerre, on avait besoin, finalement, de gens pour encadrer le renouveau aéronautique en France. Alors, on a créé une école. Est-ce que c'était une école ? Finalement, c'était plus un petit centre de formation destiné à recevoir des gazards qui avaient envie de faire de l'aéronautique. Cette formation, finalement, elle était bien faite. Elle était centrée sur ce qu'il fallait connaître en aéronautique, mais de façon pragmatique. Ça intéressait l'industrie. L'industrie se dit, mais dans le fond, pourquoi pas se servir de ce moyen de production, de gens de qualité. On va constituer un creuset de gens qui auront une formation à peu près homogène entre ceux qui sont au service de l'État et ceux qui sont dans l'industrie. L'école s'ouvre en 1957 aux élèves civils. Elle prend le nom d'ENICA, École Nationale d'Ingénieurs de Construction Aéronautique et les promotions doubles de taille. Il s'agit de soutenir une industrie nationale particulièrement active à cette époque. Au même moment, le gouvernement Debré lance une politique de décentralisation et Toulouse fait partie des villes à développer. L'ENICA commence à emménager en 1961 dans l'école de Jolimont, où le CEAT libère progressivement le bâtiment principal. L'ENSICA a été très bien accueilli par, je dirais, les écoles d'ingénieurs, les laboratoires de recherche et plus globalement l'environnement.
Mais pour être bien accueilli, il faut savoir aussi se faire accueillir. Et je dirais qu'aujourd'hui, et encore aujourd'hui, l'ENSICA a une chance extraordinaire d'avoir, lorsqu'elle est arrivée à Toulouse, un directeur hors du commun à tous les points de vue, hors du commun au niveau du management, hors du commun dans les relations humaines, hors du commun dans les relations avec les étudiants. C'est Émile Blouin qui a permis, je dirais finalement, cette connexion facile, aisée, avec les autres écoles, avec les autres directeurs. C'est grâce, je dirais, à lui que finalement, on a fait des cours partagés, des travaux pratiques qui étaient, je dirais, partant d'une école pour aller à l'autre, ou inversement, etc. Et surtout, le fait que chaque fois que l'ENSICA avait un besoin, que ce soit un besoin de matériel, que ce soit un besoin d'enseignant ou de technicien, les autres écoles ne pouvaient pas répondre non à Émile Blouin, vu sa personnalité et vu la façon dont il s'est comporté en arrivant à Toulouse. Lundi, par un soleil presque estival, à Jolimont, à Toulouse, M. Pierre Messmer, ministre des Armées, venait inaugurer officiellement l'ENICA, l'École nationale d'ingénieurs de constructions aéronautiques. La présence de M. Pierre Messmer a touré de toutes les personnalités universitaires, politiques, militaires, industrielles de la ville dans cette école ultramoderne avec ses laboratoires, ses ateliers, ses souffleries, marquait la volonté du gouvernement de regrouper dans la région Midi-Pyrénées toutes les activités aéronautiques et spatiales. À ce moment, Toulouse ne sera pas seulement une métropole régionale, mais aussi une métropole nationale de l'aéronautique et de l'espace. Je souhaite de tout mon cœur qu'elle y parvienne. L'ENICA sera rejointe à Toulouse moins d'une dizaine d'années plus tard par Supaéro et l'ENAC qui s'installeront à Rangueil. Première arrivée à Toulouse, l'ENICA peut rapidement se développer avec le soutien du CEAT voisin. La proximité du CEAT était une chance pour les étudiants car ça permettait d'illustrer concrètement des cours théoriques. Alors par exemple, c'est vrai pour les souffleries, c'était impressionnant. Il y a même une soufflerie supersonique qui permettait de visualiser des zones de choc. Et puis également, il y avait d'autres bancs d'essai, comme les bancs d'essai moteurs, où là, on avait vraiment l'impression d'être un pilote. Lorsqu'on démarrait, il y avait toute une procédure qui était assez complexe et qui permettait de bien comprendre le fonctionnement des moteurs. Mes parents étaient dans une entreprise aéronautique, mais qui ne disposait pas de la moitié de ses moyens. Et de voir, moi, en tant qu'élève, d'avoir l'accès à tous ces moyens, j'ai trouvé ça absolument fantastique. Et j'en ai bien profité par ailleurs. Bien installée et équipée, l'école doit maintenant se faire une place dans le monde académique. L'ingénieur général Boin souhaitait intégrer l'école au mieux dans l'université toulousaine. Et dans cette perspective, il nous incitait à nous inscrire dans des enseignements universitaires et passer donc des certificats, que ce soit en statistique, que ce soit en mathématiques, que ce soit dans d'autres disciplines. C'est une époque de révélation pour moi qu'il y avait un autre monde, pas celui des mathématiques et de la physique, il y avait un autre monde, celui de l'application. On parle de l'aérodynamique, de tout ce qui est structure, résistance des matériaux, les asservissements, tout ça, c'était fantastique. De leur côté, les élèves se démènent pour faire connaître leur école auprès des Toulousains. Ils s'immiscent dans la course à la Lune et installent une fusée en centre-ville, devant des passants curieux d'assister à la mise à feu. Une manière explosive de faire la publicité du premier gala de l'école. En 1966, l'ENICA accueille un vrai cosmonaute, Alexei Leonov, le premier homme à avoir effectué une sortie extravéhiculaire dans l'espace. Les étudiants sont très satisfaits de la maison des élèves entourée d'installations sportives. Mais tous n'y ont pas droit. Quand je suis arrivée à Toulouse pour la rentrée de la première année, le directeur, Émile Blouin, à l'époque, avait souhaité me rencontrer la veille. Donc je me suis rendue à l'école, je ne savais pas pourquoi. Et en fait, il voulait essayer de vérifier ma motivation pour rentrer à l'école parce qu'il me disait que ce serait quand même dommage de prendre la place d'un garçon qui, lui, avait certainement une vocation plus affirmée que la mienne. Parce que si par hasard j'avais l'intention d'arrêter pour me marier, avoir des enfants, c'était un petit peu dommage. La maison des élèves
à cette époque-là, était réservée exclusivement aux garçons. Elle n'était pas ouverte aux filles. Et j'ai dû loger à la cité universitaire de Rangueil. Quand on connaît les lieux de Toulouse, joliment Rangueil, c'est pas la porte à côté. C'est finalement dans les années 1970 que la résidence ouvre ses portes aux étudiantes. Et leur nombre dans les promotions augmente petit à petit. Attirée aussi bien par la réputation de l'école, son cadre de vie et les perspectives d'emploi à Toulouse, les étudiants peuvent mettre en pratique la théorie en profitant d'activités aéronautiques à des prix très abordables. L'activité aéronautique, pour moi, ça a été du vol à voile à la Bourse Saint-Bernard. Et très intéressant, le passage de la licence de pilote à l'Asbord. C'était une expérience qui permettait d'illustrer de manière concrète les cours de mécanique du vol. Cette expérience dans ma vie professionnelle m'a permis de bien appréhender les problèmes de pilotage. Les directeurs cherchent à asseoir la réputation de l'école en visant un recrutement toujours meilleur des élèves. En 1979, l'établissement devient ENSICA, École nationale supérieure d'ingénieurs de construction aéronautique. À la fin des années 1980, l'ENSICA se lance dans des activités de recherche. Une première thèse est lancée en 1986. Durant ma troisième année, Pierre Saint-Hès, qui était le directeur de l'ENSICA, donc ça c'était en 85-86, qui m'a convaincue de rester dans un laboratoire de l'ENSICA pour faire ma thèse au sein du laboratoire de l'ENSICA. Il s'était rendu compte que la formation par la recherche permettrait de dispenser un enseignement de qualité supérieure. La recherche, si vous voulez, a une dimension que n'a pas l'enseignement, parce que la recherche est intuitive. Elle est inductive. Elle n'est pas déductive. Or, on apprend que des choses déductives. C'est-à-dire que, finalement, on résout des problèmes où tous les éléments de la réponse sont contenus dans l'énoncé. Quand on fait de la recherche, c'est tout à fait différent. L'école continue d'adapter son cursus à une industrie de pointe qui cherche des profils variés. Et la proximité avec l'aéronautique toulousaine est une composante essentielle de son développement. Un grand plus du cursus à l'ENSICA, c'est qu'il y a beaucoup de professeurs qui viennent de l'industrie. Donc on a eu plein d'enseignants d'Airbus, de plusieurs compagnies différentes. Donc ils ont de l'expérience dans ce domaine et ils peuvent vraiment apporter beaucoup au cours. Je crois que d'une façon générale, on a eu des professeurs remarquables. À la fois les professeurs de l'école, qui avaient à cœur de développer leur laboratoire, de rester bien en phase avec les besoins de l'industrie. Les écoles et universités toulousaines contribuent à l'affirmation de Toulouse comme pôle de l'aéronautique mondiale. J'ai beaucoup travaillé sur la question du développement économique local et régional. Et il s'avère qu'un des moteurs de ce développement consiste dans les relations qui s'instaurent entre écoles d'ingénieurs, laboratoires de recherche, entreprises industrielles, entreprises de services et institutions publiques locales. Cela donne naissance à des trajectoires d'innovation qui, en définitive, ont ouvert sur ce qu'on appelle aujourd'hui Aerospace Valley, c'est-à-dire cet ensemble considérable, centré sur Toulouse, un degré moins sur Bordeaux, et qui réunit tous les acteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. À l'image d'Airbus, d'abord partenariat d'entreprises européennes qui devient en 2001 une société à part entière capable d'affronter la compétition internationale, les écoles d'ingénieurs aéronautiques toulousaines se regroupent. À partir des années 2000, on est entré dans une ère de mondialisation. À ce moment-là, la taille d'écoles d'ingénieurs dans le domaine aéronautique qui forme autour de 120-150 diplômés par an, hein, qui était la taille de l'ENSICA et SupAéro légèrement plus, est apparue insuffisante pour conserver le leadership que pouvaient avoir ces écoles et le transférer au niveau mondial.
Et donc, il a été élaboré une politique d'alliance entre les deux écoles qui étaient leaders en France pour la formation d'ingénieurs pour l'aéronautique et l'espace, c'est-à-dire SUPAERO et l'ENSICA, qui a donné naissance au projet de l'ISAE. En 2007, l'ENSICA rejoint l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, l'ISAE. Le déménagement du site de Jolimont vers Rangueil commence. On trouve dans le bâtiment vidé les traces de ceux qui y sont passés. Des artisans de la construction ont laissé des mosaïques décalées. Des techniciens ont décoré les murs de leur vestiaire. Des élèves ont signé sous le radiateur d'une salle de classe. L'école a vu du passage et permis des rencontres. J'ai une mémoire toute particulière vis-à-vis de certains membres du personnel, des enseignants que nous encadrés. Au niveau du personnel, bon, l'imprimeur, j'ai été seriné 150 000 fois pour faire des travaux qui étaient un petit peu hors normes. Ou la bibliothécaire qui retrouvé là, qui je crois est d'ailleurs encore en poste, que j'ai vu récemment. Donc c'était des personnes qui vraiment étaient extrêmement accueillantes et qui m'ont laissé un excellent souvenir. Pour moi, l'ENSICA, au-delà d'une formation solide, qui m'a amené aujourd'hui où j'en suis professionnellement, c'est surtout des amitiés qui sont restées. On continue à se voir, même 10 ans après notre entrée à l'école. Et c'est vraiment ce qui reste gravé pour moi et ce à quoi je rattache l'école, les amitiés. En 2015, les deux dernières promotions, la 69e et la 70e, quittent le campus de Jolimont pour finir leur scolarité à Rangueil. C'est la fin du cursus ENSICA. Le fait de partir de l'ENSICA à la fin de l'année, ça fait forcément un petit pincement au cœur. On est un peu déçus parce qu'on a vécu des moments, des expériences qui sont inoubliables. C'était notre première année en école d'ingénieur. Plus que ça, plus que la déception, le fait qu'on ait la SUPAERO, c'est aussi une ouverture pour nous, dans le sens où on a des perspectives que les anciens ENSICA n'avaient pas forcément. Oh, vis-à-vis du fait qu'on soit la dernière promotion de l'ENSICA, la 70e, c'est un peu triste de se dire qu'il n'y en aura pas avec nous, personne à qui passer le flambeau. Mais d'un autre côté, je pense qu'on en est tous immensément fiers. Et ça, c'est vraiment un esprit qui s'est dégagé de cette promotion que j'avais vu nulle part ailleurs. C'était vraiment la fierté d'être à l'ENSICA. Et quand on a tous les anciens qui viennent nous voir, que ce soit des professeurs, des ingénieurs, et qui nous disent « Représentez dignement l'ENSICA, soyez fiers d'être ENSICA », ça nous fait chaud au cœur et j'espère qu'on sera digne et je pense qu'on va tout faire pour l'être. Je suis un artiste et je viens de l'ENSICA. 3 ans de ma vie, ça vaut bien une chanson. Moi c'était 4 ans. Un peu opportuniste et vraiment passionné. Car après 2 ans de prépa, j'ai choisi cette formation. Ah, moi c'était 3 ans. Je préfère que ça pas moi. Tout survolé, de la méca vola à l'atelier. Mon projet PIP, c'était aussi mon idée. Moi c'était ma substitute. Option bagagiste, rotom thermoméca, j'ai joué des équations qui donnent leurs ailes aux avions. Et l'ENSICA chantait, et l'ENSICA chantait, et le foyer chantait, et le foyer chantait. Un truc qui me restera toujours gravé dans le cœur. Je suis un artiste et je viens de l'ENSICA. La la la. Je suis un artiste et je viens de l'ENSICA.
suis un artiste et je viens de l'Ensica.